Et chers les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo World Edit. Aujourd'hui je vais vous présenter les copier-coller et les commandes qui vont avec. Allez, place à l'intro. Alors, aujourd'hui du coup je vais vous présenter les commandes de World Edit copier-coller. Du coup ça va nous permettre de réviser un peu les bases. Donc comme vous avez vu, j'ai préparé quelque chose de vide là. Une petite zone là. Du coup quelques commandes, il en manque une que je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc voilà. Donc on va commencer du coup avec le copier-coller. Voilà donc le copy-paste. Il va falloir savoir aussi que je vais utiliser énormément cette commande-là qui permet, comme si vous avez regardé ma dernière vidéo sur World Edit, de revenir en arrière. Je vais pas beaucoup utiliser le redo, mais il y a peut-être des chances dans la vidéo que je l'utilise, je ne sais pas. Donc du coup, je vais commencer par ça. Allez, on va prendre l'arbre. Du coup. Le copier-coller, bon, je pense que en général, si vous êtes bon en informatique, vous savez ce que ça signifie. Alors, voilà. Donc déjà, comme vous avez vu, je viens de faire une sélection de cet arbre. Donc, avec le bloc de diamant qui est là-haut et celui-là. J'ai sélectionné tout l'arbre. Donc, j'ai fait les calculs, hein, cherchez pas. Voilà, donc c'est exactement les blocs qu'il faut. Pas plus, pas moins. Donc, les copier-coller, ça fonctionne sur une certaine façon. En gros, on va copier selon le point où on est. Donc en gros, on peut être là, on va pouvoir copier. Mais la distance, on aura de différence avec notre sélection, on va l'avoir aussi quand on va coller. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple, vous mettez devant la porte de votre maison, si c'est une maison à copier, sur un point où vous voulez en fait. Que ça soit plus simple pour vous que pour coller après. Du coup, on va faire la commande slash, slash, copie. Avec un Y. Et voilà, j'ai fait la commande copie. Après, on va se placer, du coup, donc moi j'ai déjà des marques hein, sur mon terrain, comme vous savez, il y en a 10. Donc du coup, j'ai juste à faire slash, slash, pas coller. Ça, non, ça je veux pas voir. Mais paste. P-A-S-T-E. Et voilà, j'ai collé mon arbre. Mais attention. Vous voulez par exemple poser votre construction et que ça rentre aussi dedans. Donc on va faire un slash, slash, H et paste normalement. Ah non, bon, je n'ai pas la commande. Ce n'est pas grave. Normalement, voilà, normalement on peut coller une structure et en gros on va pouvoir poser seulement les blocs sans compter les blocs d'air. Malheureusement, je me rappelle pas de la commande. C'est peut-être pour ça qu'en fait, je l'ai pas mise là. Voilà. Donc, du coup, on va prendre maintenant cette structure-là. Je vais la placer, je vais me mettre là. Et je vais faire une rotation. Donc, du coup, slash. J'ai resélectionné parce que je suis pas sûr d'avoir très bien sélectionné. Je pense que je l'ai bien sélectionné. C'est juste oublié de faire un truc. Qui est un peu bête hein, quand même, copie, hein. Faut copier déjà la structure parce que sinon on peut rien faire avec. Donc là en gros, je vous explique un peu comment fonctionne dans le lit. Je viens de copier un schématique du bâtiment. Voilà, il faut savoir ça. Quand vous faites une sélection, vous faites une sélection d'un schématique. Une fois que c'est enregistré, c'est un schématique. Donc après, vous pouvez faire la slash, une commande qui s'appelle slash schématique, truc comme ça. Et ça vous permet d'enregistrer votre schématique du coup pour mettre dans d'autres modes. Comme par exemple le mode schématica. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette fonction là, mais du coup ça nous permet de faire ces commandes. Du coup je vais faire la commande rotate, donc la commande rotation. Donc vous pouvez faire soit vous pouvez faire 45 degrés, voilà, vous pouvez le tourner de 45 degrés ou le tourner de 90 degrés. Donc là, je viens de le tourner au total de 45 plus 90 degrés. Du coup, slash, paste. Donc là, j'ai tourné la structure de 45 degrés, puis de 90 degrés. Et voilà ce que ça donne. Effectivement, c'est un peu foiré en général. Donc, on va faire un truc. Slash, slash, undo. Et comme une rotation... direct pour faire une sorte de symétrie,
c'est 180, on va faire slash slash, pardon, je vais revenir, slash slash rotate 45, donc slash past, et voilà. Donc ouais, elle a un peu bugué la structure du coup. Ouais, quelques détails près, c'est extrêmement rare que ça fasse ça, hein, je prends info. Bon, vous me dites, hein, slash slash undo. Ça marche tout aussi bien. Voilà. Bon. Maintenant, je vous ai appris du coup le copy, paste et le rotate. Vous pouvez faire aussi des chiffres en négatif. Du coup, alors, il faut savoir que ça tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, la rotation. Donc si vous faites 90 degrés, ça fera 4. En gros, si je prends une horloge, ça fera midi, 90 degrés, tac, on tourne l'aiguille de 90 degrés, ça fera hein, du coup 15. Midi 15. En gros. Mais si par contre vous faites moins 90 en partant de midi, ça fera midi moins le quart. J'espère que vous avez compris. Maintenant, une commande que j'ai du mal à contrôler, mal à comprendre comment elle marche, c'est slash flip. Alors je vais quand même vous la montrer. Parce que elle peut être très utile avec la commande. Comment elle s'appelle cette commande déjà? Elle s'appelle rotate. Je suis con, c'est vraiment, je suis con là. Slash slash flip. Hop. Slash slash copy. Déjà. Slash flip. Du coup, qui va permettre de faire slash slash past. Donc, toujours la même commande. Voilà. Et du coup, j'ai fait une symétrie de par rapport à moi, à mon centre à moi, de cette structure-là. C'est extrêmement complexe. Mais si par exemple après vous refaites une rotation de 90, de 180, puis un flip, ça va vous permettre justement de transformer votre structure en opposé complet. Qui peut être très très utile quand vous faites de la symétrie par exemple dans un vaisseau spatial, qui moi m'a déjà été fait. Du coup, slash slash undo. Et voilà. Une commande qui a un peu rien à voir, que comme je l'ai dit au début de vidéo, je ne l'ai pas mise, c'est la commande stack. C'est ma, je vous jure, je l'ai utilisée pour tout. Cette commande, pour tout ce bâtiment-là, je l'ai utilisée. C'est vraiment un truc, si vous faites une route, je vais prendre du béton gris comme ça avec du blanc. On va faire un truc vite fait. Hop, hop, hop. Voilà, on va faire un truc comme ça. Je vais pas rentrer dans les détails de la route, on s'en fiche complètement. Et du coup, je vais faire la commande stack, slash, slash, stack. Et du coup, mettre un chiffre. Il faut savoir que votre sélection ne compte pas dans le chiffre que vous avez choisi. Donc si je fais 5, je vais avoir 6 traits normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est à savoir, parce que ça m'arrive très souvent. Si par exemple, vous faites un truc, voilà, d'une ligne, et que vous voulez que ça fasse pile poil sur votre terrain, hop, voilà, 43. Ok, j'ai 43. C'est pas très compliqué, je vais faire tac, tac, stack, du coup. Et non pas, je vais pas faire 43 parce que sinon ça va dépasser dedans, je vais faire 42. Donc je vais retirer 1, et vous allez voir que ça va arriver pile poil à là où je l'avais dit. Donc du coup, un bloc avant la délimitation. Donc voilà, ces petites commandes. Slash, slash, ouais, j'en ai rien à foutre. Non, sérieusement, ça sert à rien, j'ai des commandes qui me permettent de le faire. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les commandes coller, copier-coller. Donc stack, au final, ça fait un copier-coller plusieurs fois, répétitif. C'est pour ça que j'ai utilisé. Il faut savoir aussi dans le stack que du coup, bah, c'est selon là où vous regardez. Donc si je prends là et que je fais slash slash stack CK 5, paf, forcément, c'est pas dans l'axe que j'ai regardé. Du coup, bah, ça marche pas beaucoup. Slash, par contre, là j'ai pas le choix. Ah, slash slash undo. Boom. Et ben voilà.
Et bah, chers amis, ça va être tout pour cette petite vidéo. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas. N'oubliez pas de partager, de commenter, si vous avez des idées à mettre pour les futures vidéos. Et surtout, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez savoir plus de contenu, par exemple, prochainement, ça va être les canapés. Voilà, donc pour ceux qui veulent apprendre à faire des canapés, bref, il y a plein de vidéos en préparation, et j'ai juste à vous dire maintenant, à bientôt les amis, n'oubliez pas, le build, c'est bien, et à la prochaine !